Avant de développer ces titres, sachez que le roi Mohamed VI a procédé au lancement officiel de l'année pédagogique 2019-2020. Le souverain a présidé la cérémonie de présentation des données relatives au bilan et aux dernières avancées de la réforme du système de l'éducation et de la formation, notamment les nouveaux mécanismes d'orientation adoptés cette année. Et à cette occasion, le roi Mohamed VI a visité des ateliers du centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme dans le quartier Guiche Loudaïa à Témara. Ce centre a été réalisé, je vous rappelle, en partenariat avec la fondation Mohamed V pour la solidarité et inauguré par le souverain le 15 juillet 2014. Lors de cette présentation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Saïd Hamzazi, a notamment souligné que les programmes et mesures prévus au titre de cette réforme ont enregistré des taux de réalisation très satisfaisants, notamment au niveau du soutien à la scolarisation, de la lutte contre la pauvreté, mais aussi la précarité, ainsi que de la mise en œuvre du programme national de l'éducation et de la mise en place d'un système national d'orientation précoce.